C'est vraiment super, c'est les meilleurs moments. Je travaille avec Jean Thomas et donc la compagnie Mavrai dans le spectacle. Ce spectacle en particulier, j'ai eu un rôle, celui de serveuse. C'est Roméo et Juliette, hein, c'est la scène de Shakespeare, qui est présentée là donc, au public de façon un petit peu revisitée. Le public va vraiment être acteur au spectacle, hein, c'est vraiment quelque chose d'immersif. C'est, à chaque fois qu'on joue ce spectacle ici, enfin ce spectacle-là, c'est toujours une expérience parce qu'on rencontre personne, on ne sait pas qui va participer en théâtre, en danse, dans tous les domaines que propose ce spectacle, qui est un peu un spectacle unique. On a organisé avec les centres socio-culturels de Bar-le-Duc tout un tas d'ateliers pour permettre aux habitants de participer au projet de la CB. On y a trouvé tout de suite un intérêt pour eux et puis effectivement, hein, ça a fonctionné tout de suite. Il y a un casting établi des comédiens professionnels, évidemment. Après, non. On prend toutes les bonnes âmes qui ont envie de venir. Et après, bah, à nous de les faire travailler pour que les scènes de théâtre, alors c'est pas énorme, hein, mais quand même, mine de rien, il y a quand même des tops que ces amateurs vont gérer. C'est eux qui lancent la musique, par exemple, c'est eux qui vont lancer la musique du spectacle. Donc c'est eux, donc ils ont quand même des responsabilités. Et en plus, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que nos Roméo et Juliette ne sont pas professionnels. De venir le jouer à Bar-le-Duc, pour nous, c'est un peu essentiel, parce que ces deux jeunes de Bar-le-Duc. Et ça, justement, c'est pas trop compliqué à gérer, le fait de professionnaliser en si peu de temps des amateurs. C'est le défi. C'est le défi à chaque fois, c'est vrai. Il y a une émulation aussi dans ce spectacle, c'est-à-dire qu'on arrive généralement 4 jours avant, 5 jours avant, et ça monte en puissance, c'est-à-dire que toute l'équipe arrive au fur et à mesure, et en fait, on arrive à emmener un petit peu tout le monde dans les derniers jours, et ça crée une cohésion, et c'est vrai qu'après, il n'y a plus vraiment trop de différence entre les amateurs, les professionnels. Donc moi, je ne connais pas le spectacle, je vais découvrir en même temps que tout le monde. And God, I know I'm one.